Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, la galette star, c'est la complète œuf, jambon, fromage. Donc j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous ma recette. Comme on dit en Bretagne, il y a autant de manières de faire des galettes que de clochers. Donc ce n'est qu'un exemple. Vous vous faites votre propre opinion. Vous améliorez cette recette pour vos amis ou vos clients. Et j'espère que cela vous plaira. Je vais vous présenter maintenant le matériel et les ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser ma galette complète. Tout d'abord, une crêpière à 250 degrés, un rosel dans un bac à eau. J'ai également un tampon graisseur avec du lardiguel, une spatule. Et côté ingrédients, je vais donc utiliser cette pâte à sarrasin qui a été préparée il y a plus de 6 heures pour permettre sa fermentation. J'ai besoin de 30 g de beurre, de 80 g d'emmental râpé, de crème fraîche épaisse que j'ai passée quelques instants au micro-ondes pour qu'elle devienne un peu plus liquide et donc plus facile à appliquer, une tranche de jambon, un œuf, du poivre et surtout pas de sel parce que le sel du jambon est largement suffisant. Je vais tourner maintenant la galette. Un dégagement de fumée qui est important, ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal à cette température. Je mets 30 g de beurre. Rapidement, j'utilise mon pinceau silicone pour bien étaler le beurre sur toute la surface de la galette et je vais pouvoir mettre l'œuf. Alors, la technique de l'œuf, c'est que d'abord vous mettez blanc et puis il y a le jaune qui suit et vous faites en sorte que le jaune soit au milieu de votre galette. Après, vous mettez le fromage. Et le jambon. L'ordre des ingrédients est important. On met le fond premier parce que c'est l'œuf qui va avoir besoin d'un peu plus de temps pour cuire que le reste des ingrédients. Peu de poivre. Le pliage. Et là, je contrôle ma cuisson. Donc là, je considère que ma galette est cuite, prête à être servie. Et voici. Bon appétit!